Eh bien, bonjour à vous tous. Nous espérons que vous serez nombreux à vous écouter. Et pour commencer, je vais vous présenter mes deux comparses. Laurent Noërel, qui est un écrivain de fantastique, qui a déjà écrit pas mal d'ouvrages et qui se spécialise dans le fantastique un petit peu horrifique. C'est ça, en fait. Voilà. Je l'ai déjà présenté dans la précédente table ronde. J'essaie vraiment d'explorer les peurs de l'humanité par le biais du fantastique, par la métaphore du fantastique. Voilà. Effectivement, c'est plutôt un fantastique inquiétant et effrayant. Voilà. Et c'était Broussaï, à côté, qui est créateur du jeu de rôle Terre suspendue, qui met en scène beaucoup, beaucoup de personnages qui sont des animaux tout en étant des animaux anthropomorphes, en fait, comme on en voit dans les fables ou ailleurs. Et donc ici, ils vont vous parler de leur vision et de la vision qui est connue dans la littérature et dans le cinéma du rapport entre les hommes et les animaux, tantôt bienveillant, tantôt positif. Un petit peu le panthéisme aussi. Tu commences, Florent ? Alors, bon, en fait, je pensais commencer une chose qui est importante dans les relations entre hommes et animaux, l'influence des religions païennes, du paganisme. En fait, il y a un rapport étroit entre l'homme et la nature, puisque le chaman est lié à la nature. Parfois, il transporte son esprit dans des animaux. Mmh. Donc, au départ, il y a cette influence. Dans cette réalité qui était celle des religions païennes avant le christianisme et qui s'est perpétuée, y compris dans des œuvres d'art, à la fois dans le cinéma, dans les bandes dessinées. Alors là, moi, personnellement, la première référence sur les bandes dessinées de Didier Comès. Didier Comès qui est très influencé par le paganisme, dans les sorcelleries, dans, par exemple, dans Iris, la Belette, mais vraiment l'influence des religions païennes et de ce rapport avec la nature qui, par ailleurs, est un rapport ambivalent. La nature pourrait être aussi bien bonne et généreuse qu'effrayante, comme dans la BD La Belette. Je ne sais pas si vous avez lu la BD de Comès, La Belette. Oui, ça me dit quelque chose, oui. C'est des BD qui étaient publiées dans À suivre, en noir et blanc. Et vraiment, c'est très influencé par le paganisme. Ils sont un peu des... Et il y a la survivance d'un culte païen dans les campagnes belges. Et ça fait lien entre le culte, le culte de l'animal, c'est ça ? Disons que les religions païennes, sont toujours liées à la nature. Il y a toujours un lien très fort avec le monde animal. Et dans cette BD La Belette, déjà les personnages peuvent se transférer dans des esprits d'oiseaux, dans des chouettes qui leur permettent de voler, de voir ce qui se passe ailleurs. Donc il y a toujours ce lien très fort avec l'animal. Il y a le lien avec la déesse mère. En fait, la déesse de tout ce qui vit, la déesse de la nature. Donc, il y a au départ, dans ces religions païennes, il y a effectivement le rapport très fort avec la nature, le lien très fort avec la nature et les animaux, justement. Ils sont dans entre autres, dans les BD du Didier Comès. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs, dans beaucoup de civilisations chamaniques, l'enfant ou le jeune adolescent, pour être accepté dans l'âge adulte, parmi les groupements d'adultes, doit avoir fait une cérémonie d'initiation qui lui permet de trouver son totem animal qui va garantir qu'il est devenu adulte dans beaucoup de civilisations, notamment en Mongolie, je crois. Ben, on va retrouver une survivance de ça dans la culture scout, en fait, où souvent on propose un totem animal aux jeunes scouts, en fait, qui s'identifie au éclaireur, qui s'identifie à un animal et à ses capacités, en fait. Capacités, c'est ce que j'ai dit en Corée, mais la même chose. Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui survit dans ces camps de vacances, même si après, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu des polémiques par rapport à ça, mais... Oui, oui. Différentes choses par rapport à la façon dont ces cérémonies étaient organisées, en tout cas, donc ça causait des problèmes même à un niveau légal, parce qu'il y a eu des... c'est autre chose, ça ne rentre pas dans le thème, mais ça a posé beaucoup de problèmes. Mais effectivement, dans l'art, je pensais notamment dans la survivance de ces religions païennes, il y a deux films
Il y a un film en noir et blanc que j'ai pas vu et son remake, c'est La Féline, Cat People. Mm-hmm. J'ai vu le film de Paul Schrader. En fait, imagine au départ une civilisation africaine qui sacrifie des enfants aux panthères. Oui. Au fil des siècles, les âmes des enfants et les âmes des panthères sont fusionnées et se perpétuent, cette fusion se perpétue dans les de nouvelles naissances. Mmh. Et là, il me semblait qu'il y avait également une survivance de une influence des religions païennes à travers ce film. Certainement, oui. De toute manière, toutes ces choses-là survivent partout, sous des formes un petit peu différentes, certainement, mais elles survivent. Et même il n'y a pas si longtemps, encore dans le Berry, on parlait de sorciers qui pouvaient prendre une forme animale, souvent de chouette, justement, pour influencer sur les gens. Et c'est pas si vieux, je veux dire, alors qu'on mettrait ça au Moyen-Âge. Bien sûr. D'ailleurs, les sorciers, ou les sorcières ont souvent leur familier qui est un animal, aussi bien un chat que le familier. Oui, c'est très classique. Mais ça, on va le retrouver beaucoup dans la littérature et dans la culture du jeu de rôle, la présence d'un animal qui est aux côtés en fait de l'humain, en fait qui souvent l'aide ou l'assiste en fait. Oui. Effectivement. Après, je dois avouer que en jeu de rôle, je m'y connais pas beaucoup. Non, il y a pas mal de. Il y a pas mal de choses. Et tout. Non, mais il y a plein de jeux de rôle qui récupèrent des choses qu'on voit dans la littérature ou qu'on voit habituellement, qu'on voit aussi dans la littérature. Hein. Le personnage du familier dans la magie, en fait, est un personnage très présent et qu'on va retrouver à la fois dans la littérature et dans le jeu de rôle, en fait. Dans la littérature, il manque pas d'exemple non plus de personnage, de liaison entre l'homme et l'animal ou de fusion. Beaucoup, de personnages aussi. Moi, je pense à Michael Connet, mais il y a certainement beaucoup d'autres gens. Là, il y avait un roman de fantastique de Walter Streiber qui s'appelle Animalité, donc je ne sais plus vraiment en détail. Ça se passe en Amérique, c'est la transformation d'un homme en loup. Bon, je n'ai pas trop aimé la fin parce qu'il arrivait à la conclusion en fait mystique que cette transformation de l'homme en loup était une bonne chose. Il s'était laissé une sorte de lien mystique entre homme et animal qui préparait une nouvelle ère. Que le but était de transformer de plus en plus d'hommes et de femmes en loups et en louves pour faire un nouvel lion mystique avec. J'avoue que ce point m'avait un peu déplu et me déplaît d'ailleurs toujours un peu. En fait, ça c'était toujours une survivance d'un paganisme en tout cas qui se traduit dans la littérature. Malgré le fait que la religion chrétienne soit plutôt implantée, il y a toujours les mythes païens qui reviennent après la littérature. C'est très arrangé, très arrangé. Ah, il y a toujours des déformations. Oui, tout à fait. Et quand on parle par exemple au Japon, des renards à neuf queues, elles sont tantôt souvent des séductrices, mais quelquefois bonnes. Et ce sont des personnages qui sont des animaux mais qui se transforment en êtres humains, quoi, pour tromper. Pas forcément. Il y a un rapport assez étroit entre l'humain et l'animal, en fait, dans beaucoup de créatures fantastiques, en fait. Absolument. Je pensais, on parlait du loup-garou dans la précédente. Oui. C'est la transformation d'un homme en animal, qui est vu comme malédiction, puisqu'en fait, c'est la part bestiale de l'homme qui prend le dessus. Et tu vois, il y a beaucoup de liens. Et il y a beaucoup d'œuvres aussi, là, de manière plus positive, où on voit une communication entre des humains et des animaux. En fait, c'est souvent une jeune fille ou une jeune femme qui a la possibilité de communiquer avec les animaux. Là, en fait, j'aurais trois exemples. D'abord, il y a la BD Torgal, où là, il y a fille de Torgal Louve, qui en fait est née dans la tanière d'une louve. Et du coup, elle a la capacité de comprendre tous les animaux. Après, il y a le film d'horreur de Dario Argento, Phenomena, dont l'héroïne, qui est une jeune adolescente, a également d'abord la capacité de communiquer les insectes, et puis à la fin, elle va communiquer avec un singe pour tuer un tueur en série. Et ben, plus récemment, il y a le film X-Men Apocalypse, où au départ, on voit la fille de Magneto, qui, pareil, peut communiquer avec les animaux.
Donc là, c'était ce thème qui revient. Et c'est étonnant, c'est que c'est souvent une jeune fille ou une jeune femme qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux. Et une communication, pour le coup, pacifique, puisque c'est une compréhension mutuelle. On peut penser à Princesse Mononoké aussi, qui a un lien étroit avec la nature. Oui, absolument. Là, c'est aussi un autre thème, c'est aussi la graveur conflictuelle, puisqu'il y a un personnage qui va essayer de tuer le dieu cerf, et ça va déclencher une catastrophe. Mais effectivement, c'est... Mais c'est la jeune fille qui a ce rapport avec les animaux de la forêt, c'est ça, en fait. C'est effectivement la jeune fille qui a été élevée, si je me souviens bien, par les animaux de la forêt. Oui, oui. Je pense qu'il y a aussi une recherche dans ce rapport homme-animal, il y a un peu une recherche, j'allais dire, d'un paradis perdu où tout le monde communiquait avec tout le monde, si je veux dire tout le monde. Je pense qu'il y a cette recherche, et c'est peut-être pourquoi on choisit de temps en temps des jeunes filles, parce qu'elles sont censées symboliser l'innocence première, l'innocence, j'allais dire, selon la mythologie, la tradition chrétienne, l'innocence d'avant la chute. Peut-être, est-ce pour ça? Peut-être, sans doute. En fait, là, ça me fait penser, bon, vaguement, le rapport est très vague, au début du film Excalibur de John Boorman, quand Merlin décrit l'épée Excalibur, qui dit qu'elle a été forgée au temps où le monde était jeune, où la bête, l'oiseau, l'homme ne faisaient qu'un. C'est un peu la même idée. Je pense que c'est la même idée. Oui, mais qu'on va perdre... Ne serait-ce que quand on parle dans le monde fantasy des licornes, elles sont attirées par les jeunes filles vierges. Bon, de toute manière, c'est toujours une métaphore, je pense. Toujours, toujours. Après, c'est sur là, c'est plus des animaux fantastiques en fait, mais qui des créatures comme le dragon, la licorne, qu'on va retrouver aussi beaucoup dans le fantastique, mais qui sont qui représentent pas forcément un aspect bestial parce qu'elles sont comment ? Ce sont des animaux un peu qui ont un statut un peu particulier en fait. Tout à fait. C'est pas de vrais animaux. Mais ça dépend aussi pour ce qui est de leur caractère, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques. En fait, ça dépend aussi des cultures. Bon, je suis pas tout spécialiste, mais sauf erreur, en Asie, les dragons sont bénéfiques. Ils sont considérés comme des êtres bénéfiques. Souvent. De même d'ailleurs que les corbeaux, qui sont considérés comme des êtres pleins de sagesse, alors que soit les dragons comme les corbeaux en Occident sont plutôt associés au mal et aux sorciers. Selon les cultures, les animaux peuvent avoir des caractères très différents. Oui. Ça, c'est des choses aussi qui viennent de l'influence chrétienne, parce que le corbeau dans les religions celtes est plus l'emblème du dieu Lugh, le dieu de la lumière, le dieu solaire, donc a une connotation plus positive. C'est pour ça qu'il y a cette image un peu paradoxale chez le corbeau de sagesse et à la fois d'oiseau de mauvais augure. Mais parce que c'est à la fois celui qui apporte les nouvelles, mais bonnes ou mauvaises, en fait. D'ailleurs, effectivement, le corbeau, c'est également le messager d'Odin, l'œil d'Odin. Effectivement, quand la religion chrétienne a vu, et le but de la religion chrétienne, c'était de dire ce qui a précédé, c'est mauvais, c'est le diable. Effectivement, il y a cette déformation. Donc... Tout à fait. Mais les oiseaux sont considérés, alors dans beaucoup de religions, on le voit dans la religion romaine aussi, dans les religions grecques, les oiseaux sont considérés comme des créatures du ciel, donc des envoyés ou des messagers des dieux. C'est eux qui portent les messages, c'est pour ça qu'on interprète leur vol en fait. Je pense qu'il y a beaucoup dans la représentation du règne animal, en fait, sont liés à l'endroit où ils vivent. En fait, les poissons, les oiseaux, les insectes ou les animaux qui vont sur Terre n'ont pas du tout la même influence en fait, au niveau mythologique et même au niveau représentation humaine, en fait. Les oiseaux étant considérés toujours comme des choses qui arrivent d'en haut, l'aigle ou quoi que ce soit, qui annoncent, en fait, des choses. Les créatures, ont différentes visions, les uns des autres. Oui, tout à fait. Mais il y a la métaphore aussi, quand on représente, ne serait-ce que dans la tradition arthurienne, le roi Arthur, qui est, j'allais dire, une des grandes bases de la littérature encore actuelle de fantasy, c'est l'ours, Arthos, l'ours. Oui. Je veux dire, c'est un symbole de force. Je pense que c'est ça aussi qui compte beaucoup, s'approprier les qualités et les défauts de l'animal, ça... Mais d'ailleurs, ça fait passer dans un monde à côté, j'allais dire, mais c'est métaphorique. Ce que j'ai vu, en fait, c'est dans la préface de livre de Jean-Ulf Etienne, préface de l'auteur, justement, de cette trilogie des elfes. Enfin, la suite de la trilogie des elfes,
c'est justement que le nom Arthur veut effectivement dire ours, et l'ours chez les sept, c'est le symbole de la royauté. Mm-hmm. Donc, là, je vous fais une hypothèse que le nom Arthur ne soit pas un nom propre, mais un symbole honorifique qui aurait pu être porté par différents rois. En fait. Tout à fait. Mm-hmm. Et lié à l'animal ours qui est vraiment le symbole de la royauté chez les sept. Tout à fait. Effectivement, ça, c'est aussi lié au paganisme. L'animal donne sa puissance à l'homme, sa sagesse. Mais c'est assez fréquent en fait que des hommes portent le nom de d'animaux en fait dans la enfin chez les latins les noms lupus ursus en fait ours et loup étaient des prénoms en fait des prénoms assez courants parce que en fait ils portaient présage un présage positif en fait chez l'enfant en fait. D'accord. On va le retrouver plus chez les gens du peuple en fait, pas chez la noblesse. Oui, pas chez les dominants, mais plus chez les gens du peuple qui donnent à leurs enfants des vertus positives, en fait. De toute manière, enfin, il y a un rapport étroit, je veux dire, entre les animaux, effectivement, et le monde naturel. Je pense que c'est cette recherche, peut-être parce qu'on a eu une course effrénée vers le non naturel que ces contes-là, ces mythes-là, cette littérature-là reviennent. Elles introduisent métaphoriquement un retour à l'état de nature, je pense, peut-être. Mais j'ai l'impression que la présence des animaux, en fait, dans la littérature ou dans les films fantastiques est assez, enfin, assez minoritaire. C'est assez rare d'avoir... d'avoir une présence d'animaux qui soient pas soit des adversaires à combattre, soit des créatures au service de l'homme qui sont leur familier ou leur animal de compagnie, leur cheval. Je pense par exemple dans les Game of Thrones la série des Game of Thrones où on voit ces loups un peu géants, mais qui sont là un peu présentés comme un peu les compagnons en fait des humains, comme un peu des familiers. En fait, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont été élevés dès leur naissance. En fait, si vous avez trouvé leur mère était morte, ils ont été recueillis dès leur naissance. Sinon, effectivement, ce sont des bêtes sauvages, mais comme ils ont été liés au fils du roi, donc, du coup, elles sont effectivement des compagnons. J'ai pas l'impression, je recherchais un peu moi-même dans ma mémoire et puis sur le net, mais de livres où les animaux sont assez majoritaires ou assez présents, ou... À part dans des représentations un peu chez Disney où on a qui a fait des animaux en fait en reprenant un peu la fable qui met Monsieur. Des animaux un peu au centre, je pensais à Robin des Bois par exemple ou à Zootopia où on place les animaux en fait comme des personnages centraux. J'ai l'impression que souvent dans la littérature en fait c'est des personnages très secondaires en fait les animaux qui sont pas là pour Que je vais citer un livre qui s'appelle Le Bois d'Uncton. Alors je ne sais pas prononcer, c'est William Horwood qui l'a écrit. Et c'est ni plus ni moins, je vous le montre, c'est ni plus ni moins que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est joué par des taupes. Mmh. Et donc il y a des clans rivaux de taupes, mais c'est entièrement animé. Il n'y a que des taupes. Enfin, que des taupes. Leur prédateur naturel. Et je pensais aussi à Mosgards, qui est une bande dessinée qui met en scène la garde des souris, en fait, qui sont des petites souris, en fait, qui vivent dans un monde de souris, alors plus ou moins anthropomorphes, assez légèrement, en fait. Ils ont des vêtements, ils se tiennent debout, mais ils gardent leur forme de souris et ils sont des gardes, en fait, des patrouilleurs en fait qui surveillent en fait les bois et qui affrontent en fait des ennemis qui sont souvent un peu plus gros que des chouettes, des hiboux ou des il y a créateurs. Le monde de Narnia aussi auquel il faut penser. Oui. Ne serait-ce que le lion qui est tout à fait un symbole religieux, mais quand même ce sont des animaux qui ont leur pleine part dans un roman entier et qui est assez gros, au moins qu'on puisse dire. Et après, effectivement, à moins d'être les protagonistes, soit principaux, soit adversaires, soit de l'homme, c'est vrai qu'ils apparaissent assez peu, ou alors de manière déformée. Bon, il y a le loup-garou,
Mais effectivement, c'est un peu particulier. Après, il y a aussi tous les rapports conflictuels que l'homme a avec la nature, qui sont effectivement représentés dans des films ou des livres ou des animaux. Je pense par exemple, évidemment, aux Dents de la Mer. Dans la mer, dans d'autres films, aux oiseaux, Hitchcock. Oui, Tout d'un coup, sans raison apparente, des animaux vont être animés par une même volonté de révolte contre l'homme. Et là, c'est intéressant parce que c'est à la fois fantastique et a priori réaliste. Les oiseaux sont des oiseaux normaux. Mais après, ces différentes espèces qui se trouvent animées par une volonté commune aussi à l'homme. Et c'est dans cet aspect que le fantastique aussi apparaît. Et effectivement, il y a la révolte de la nature contre l'homme qui est... Oui, qui est très qui est plus que symbolisée, qui est réelle dans les oiseaux. Et qui est effectivement les rapports conflictuels de l'homme avec la nature. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est pas systématique. Mais sont présentés comme des adversaires, du coup, un peu comme la figure du loup-garou, qui est cette espèce de monstre en fait à combattre et qui est pas forcément. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres qui mettent en scène le loup-garou lui-même, en fait, comme personnage principal. En fait, on peut penser à certains films. Je pense à certains films ou certaines séries qui mettent le loup-garou au centre comme protagoniste de l'histoire. Mais c'est souvent plutôt vu comme un adversaire ou une créature à combattre, en fait. Il y a des littératures de fantasy actuellement qui mettent vraiment comme personnage le loup-garou comme personnage à part entière. Les titres là ne me viennent pas. Mais est-ce que c'est pas toujours présenté un peu la dualité enfin entre cette partie humaine de l'homme et puis cette partie animale qui se pas combattent toujours. Avec cette espèce de loup qui est quand même une créature pas bestiale toujours, en pas fait. Toujours. En fait, c'est vrai que bon, là, dans la fantasy, je vois pas trop. C'est vrai que c'est pas le loup-garou que j'ai, c'est vraiment la part bestiale de l'homme qui ressurgit, qui s'incarne. Là, je pensais à l'instant au récit de Claude Seignol, qui écrivait aussi, et qui a traité de nouvelles qui a écrit au moins une nouvelle sur le loup-garou. En fait, il met en parallèle les méfaits d'un loup-garou et la traque menée par un homme du village pour trouver et découvrir le loup-garou. Et à la fois, on s'aperçoit que l'homme qui traque le loup-garou est le loup-garou. Oui, ça ressort. C'est vraiment la bestialité qui ressort et qui s'incarne. C'est vraiment comme Claude Seignol, en fait, s'inspire beaucoup des légendes des régions françaises. À un moment, le loup-garou voit le diable donner naissance à des enfants. Oui, souvent. Mais c'est, disons qu'il y a la partie métaphore et il y a la partie animale réelle. Je pense que ce sont des littératures différentes. Mais je pense qu'on insiste beaucoup aussi chez le loup-garou, par exemple, chez le loup-garou bénéfique, je pense qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il doit apprendre à contrôler ou à maîtriser la bête, comme s'il y avait toujours cette volonté humaine de dompter un animal, en fait, de le soumettre, en fait, peut-être, à ses ordres. Oui. Donc là, en fait, effectivement, j'ai pas beaucoup d'exemples de le loup-garou bénéfique. Par contre, l'histoire en fait, de maîtriser ses buissons bestiales dans un registre différent, je pense aussi aux X-Men, au personnage de Logan, de Serval. En fait, je dis Serval parce que c'est l'ancien. Oui. Serval, Wolverine. Effectivement, où le personnage, il a le pouvoir d'un animal. Il a aussi le caractère d'un animal, la violence d'un animal. Et son plus grand défi, c'est de maîtriser ses propres buissons. Pour ne pas être plus dangereux pour ses amis que pour ses ennemis. Donc là, excuse-moi. Est-ce que l'animal ne rejoint pas souvent le thème du monstre, en fait? Même, je pense, dans Princesse Mononoké, où ces créatures, ces animaux ont des tailles monstrueuses, sont révérés à l'égard de Dieu, enfin, presque, sont à la fois des dieux et à la fois des monstres, en fait. Comme créature. Après, effectivement, c'est une créature gigantesque, totalement surnaturelle. Après, il y a aussi dans Princesse Mononoké, le moment où les créatures se transforment en démons. Et où c'est montré comme un grouillement de verre, autant que je me souvienne, un grouillement de verre, une corruption, en fait, qui est une moisissure, qui les transforme en démons, justement. Mais là, c'est vraiment totalement dans la métaphore, je pense. Oui, parce que c'est souvent chez.
Comment? C'est souvent chez lui une image de la pollution, en fait, enfin, si ça ressemble à des vers, c'est souvent une image du pétrole, en fait, de ce pétrole qui pollue l'humain. Et d'ailleurs, c'est quand ils sont touchés par les balles, en fait, qui commencent à se transformer en créatures monstrueuses, en fait. Il y a toujours chez Miyazaki justement l'opposition entre l'industrie nature. En fait, d'ailleurs, chez Miyazaki, il y a souvent une relation assez directe entre l'homme et la nature, une relation assez sereine. Je pense par exemple à mon voisin Totoro, où la famille et les deux gamines découvrent un bestiaire fabuleux, et tout de suite, elles établissent, après une peur initiale, elles établissent tout de suite un lien très fort avec elle, un lien totalement pacifique, totalement. Là, il y a même une communion chez Miyazaki entre justement l'homme et son milieu naturel, du moins entre l'homme pacifique qui ne veut pas justement par profit le détruire. Mais on trouve aussi dans pas mal de littérature, alors de créatures, en fait, de créatures un peu magiques, en fait, d'animaux, de chevaux magiques ou de griffons magiques, qui ont avec l'homme une espèce de communion télépathique qui établit avec eux un lien qui fait que il y a un lien presque, enfin, éternel, enfin, je dirais pas éternel, mais un lien, comment un lien très fort entre l'homme et l'animal, qui fait qu'ils deviennent pratiquement une seule créature, en fait. Ben, les Oui, ça dragons de arrive. Perne. Oui, je Pardon? pensais justement Oui, c'est ça. la balade de Perne. Enfin, j'ai juste le premier. Oui. Effectivement, il y a bien ce lien entre le dragon et son cavalier qui. Mais on trouve ça aussi avec des animaux, de sortes de chevaux intelligents. Je pensais, c'est Mercedes Lackey qui a écrit une trilogie là-dessus, avec des sortes de chevaux qui sont des chevaux intelligents et qui choisissent leur maître et que leur maître choisit et qui ont une sorte de lien très fort avec ces chevaux, en fait. Alors ça, effectivement, j'ai pas lu cette trilogie. Par contre, je pense au film Avatar, James Cameron. Oui. Pareil, avec sa monture, le dragon volant, il doit établir un lien télépathique. Et au départ, le dragon essaie de tuer celui qui veut établir le lien. Et après, une fois que le lien est établi, il y a une communication. Après, c'est des thèmes qui reviennent, qui sont transformés, mais c'est toujours ce lien, en fait, cette communion entre l'homme et l'animal. Tintéri aussi. L'animal représentant la nature d'une certaine façon, mais où on trouve rarement l'animal associé à la notion de ville, en fait, ou la notion de, alors qu'il y a des animaux citadins, hein, on a des rats, on a des pigeons, on a des qui sont des animaux de ville, en fait, qui sont adaptés à l'homme et qui sont adaptés à la vie en ville. J'ai l'impression que souvent l'image de l'animal, c'est une sorte de retour aux sources, retour à la nature, à une sorte de nature fantasmée, en fait, où l'homme ne ferait qu'un, enfin, on l'avait dit tout à l'heure, où l'homme, enfin, un peu chamanique, où l'homme ne ferait qu'un avec l'animal, en fait. En fait, oui, c'est toujours cette recherche d'un équilibre et c'est toujours l'aspect naturel qui met en avant de manière peut-être un peu logique, sauf peut-être dans certaines œuvres où il y a la trilogie des rats de Frank Herbert dans la littérature d'épouvante, où là c'est vraiment les rats qui sont mis en avant, qui d'ailleurs prennent peu à peu le pas sur l'humain. Il y a même un rat mutant qui se transforme peu à peu au fil il se transforme en fœtus humain. C'est un des passages les plus dérangeants de la trilogie. Là, effectivement, c'est vraiment centré sur les rats. Ben, on peut penser aussi à la planète des singes, où en fait finalement l'humanité, en fait, est déniée aux humains et elle est reprise, en fait, par les singes. Enfin, je parle du roman original où finalement les singes accèdent au statut d'humain, de créatures civilisées, en fait, et En fait, deviennent en fait les maîtres des humains qui deviennent à nouveau eux des créatures un peu bestiales, en fait. au départ, il y a la déchéance des humains qui perdent toute intelligence et qui sont remplacés entre espèces intelligentes par les singes. Oui. Donc Ça, on a une civilisation humaine. mais c'est très symbolique aussi. Ah oui, alors après, oui. Mais on a des animaux sociaux, disons. C'est pas des animaux qui sont montrés comme en lien avec la nature, comme les animaux qu'on a Oui, évoqués justement, précédemment. ils ont acquis la technologie, ils ont construit des Ah villes. Effectivement, ils ont perdu un lien avec la nature. En fait, ils se sont Voilà. humanisés, aussi bien dans les bons que dans les mauvais sens du terme. Effectivement, ils ont perdu ce lien avec le milieu naturel.
Alors ça, on va le retrouver, je pense, dans les comment les créatures anthropomorphes. Je pense à Zootopia, le film Zootopia, qui montre en fait des créatures en fait qui ont des animaux qui ont perdu leur, je dirais leur animalité, mais qui restent encore divisés entre prédateurs et proies, avec l'ancienne division un peu raciste entre les deux, d'un côté les prédateurs et les proies. Et on voit que que même dans des créatures qui sont civilisées, qui sont développées, qui ont développé une technologie, ben il reste toujours cette ancienne peur chez les proies des prédateurs, et chez les prédateurs cette espèce d'attirance pour le fait de manger les proies en fait. Oui, les anciens bûcherons. Là, je pense aussi à une BD, une bande dessinée de Dufaux, Le Bois des Vierges. En fait, il imagine des peuples animaux et des peuples humains qui coexistent. Les animaux ont certaines attitudes des humains, c'est qu'ils ont des habits, ils ont des épées, ils ont ça. En fait, il y a une guerre entre les peuples animaux et les peuples humains. Mm-hmm. Et là, j'ai lu le premier tome, et effectivement, c'est très intéressant. C'est en bande dessinée. C'est en bande dessinée, c'est assez récent, hein. Ça date de quelques années. Le personnage souvent de l'animal. Et un peu associé à l'idée de la fable, c'est-à-dire l'animal est censé représenter un travers de l'homme ou quoi que ce soit. Donc on va utiliser le renard pour la ruse, on va utiliser le chat pour sa malice, son côté un peu dissimulateur, on va utiliser le lion pour incarner sa noblesse. Je pense il y a une série comme ça aussi sur Netflix récemment, Beasters, qui montre justement les rapports humains, mais en animalisant en fait les humains, et c'est une façon souvent de montrer leur caractère ou leur déviance ou leurs exagérations en fait. Après, effectivement, dans les fables, notamment les fables de La Fontaine, il y a aussi une ruse de la part de La Fontaine. Parce en mettant comme protagoniste des animaux, oui, il peut se permettre de faire des critiques. Oui, c'est une façon de donner des. Oui, c'est une façon de donner des leçons humaines. Hein. Bien sûr. Mais c'est meilleur de critiquer effectivement les sociétés humaines plus facile ou avec moins de risques que s'il mettait directement en scène le roi ou les. Bon, je pense que c'est parce que ça s'adressait aux dauphins, donc aux fils du roi. Il y a aussi une volonté parce que c'est des textes qui s'adressent à un enfant, même si c'est un enfant noble, c'est une façon de lui rappeler un peu le monde de l'enfance. Mais je pense aussi que c'est une façon de, ben, comme on a parlé tout à l'heure de la planète des singes, c'est une façon d'un peu de faire la morale, c'est un peu de faire la morale aux humains, de leur montrer que, ben, que les animaux peuvent avoir les mêmes travers qu'eux, et que une façon de ridiculiser un peu l'humain en lui montrant qu'il peut avoir lui-même un côté animal en fait. Bien sûr, de toute façon, à travers les animaux des fables, on parle toujours de l'humain. C'est toujours l'humain qui est représenté à travers l'animal. Oui. Mais de toute manière, dans tous les cas. Là, moi, je pensais, j'en ai parlé tout à l'heure du Chant de la Terre de Michel Gounet. C'est quand même vraiment vieux. C'est quand même vraiment vieux, mais effectivement, les humains, c'est un livre qui, à mon sens, est inclassable, parce que ce n'est ni de la fantaisie, ni vraiment de la science-fiction, rien, mais ce sont les humains ont tellement évolué qu'ils ont pu se métissés à d'autres animaux qui gardent des caractéristiques de leur race. Notamment, il y a des peuples félins qui sont à la fois l'humain et félin. Et je pense que c'est un livre, enfin, ce sont 5 livres très intéressants et qui sont tout à fait inclassables, mais effectivement qui permettent de voir ce rapport entre des animaux qui sont presque humains et des humains ordinaires, de voir le rapport qui existe entre eux. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça n'est à la fois pas moralisateur du tout, mais c'est très, très curieux. Je pense que c'est un parmi les très bons livres que j'ai lus. Et c'est quel livre alors, tu vois ? Alors, ça s'appelle Les Champs de la Terre. Les Champs de la Terre. Les Champs de la, ou Le Champ de la Terre de Michel Gounet. C'est assez vieux et donc il y a plusieurs. Ça commence par la grande course de chars à voile et qui est
qui effectivement plutôt gagnée par les félins parce qu'ils sont plus doués. La locomotive à vapeur céleste, les dieux du grand loin, le gnome et le roi de l'île au sceptre, où on retrouve aussi le Arthur de la tradition arthurienne. C'est un livre extrêmement résonnant, que je trouve extrêmement remarquable. C'est parmi peut-être mes livres préférés. Mais effectivement, il y a ce mélange homme-animal. Mais en fait, c'est toujours des animaux un peu anthropomorphes, en fait. Ils ont pas, ils ont gardé leur côté animal ou Par exemple, les humains qui sont des tigres. Oui, mais ils sont quand même des humains. Enfin, c'est un mélange génétique. C'est un mélange génétique. Ils ont une apparence relativement humaine, mais enfin, pas tout à fait. Mais suffisamment humaine pour être. On va dire que c'est une grande communauté équilibrée. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, même s'il y a du racisme, il n'y a pas vraiment. Ce sont des peuples qui se côtoient et qui sont égaux d'une certaine manière, mais effectivement, gardant certaines caractéristiques de leur première espèce. Mais ils ont choisi des animaux qui sont des prédateurs ou on trouve aussi des animaux Il y a d'autres animaux. Je pense aux tigres parce qu'ils sont... Ils sont très... Par exemple, les femmes tigres sont très jalouses de leurs petits, très, très agressives. Il y a des caractéristiques qui restent. Un peu comme dans Terre suspendue, il y a des caractéristiques de base qui restent. Moi, je m'étais amusé justement dans mon jeu de rôle à prendre des espèces animales en fait pour faire contrepoint aux espèces humaines et en fait proposer des animaux en m'inspirant aussi de sociétés humaines. Donc, je m'étais amusé à faire un mélange de différentes sociétés. Et par exemple, pour les tigres, j'avais fait un peu un mélange entre la culture arabe et la culture extrême-orientale. Pour leur donner un peu des caractéristiques un peu différentes. Et c'est vrai que j'avais fait ça pour chaque... Dans mon jeu de rôle, j'ai fait ça pour chaque espèce, c'est-à-dire m'inspirer de cultures très différentes, en fait. Un mélange de... En croisant les Celtes, par exemple, et le Vaudou, pour donner, en fait, à chaque espèce animale une caractéristique un peu différente, une façon de se comporter un peu différente et... lui donner un peu d'épaisseur. Oui, c'est ça qui est intéressant. De toute manière, le mélange des cultures, en les juxtaposant, ça peut donner d'excellents résultats. Je vois par exemple, quand on voit, effectivement, on parlait, j'y reviens, du corbeau tout à l'heure, qui est un oiseau de sagesse chez les Indiens. Je parle des Indiens d'Amérique. Donc, finalement, comme chez les Celtes, chez nous. Et c'est assez remarquable. Et après, effectivement, dans d'autres cultures, c'est tout à fait différent. Je veux dire, justement, par le fait que la religion chrétienne a diabolisé toutes les religions précédentes, en disant, non, moi, je suis la vraie religion, les autres, c'est le diable. Et du coup, tous les symboles qui étaient bons sont devenus mauvais, notamment le serpent, on le voit, en fait, aussi, qui était un animal de sagesse, est devenu une sorte de... Le tentateur. Le serpent de la connaissance, la conscience qui était bonne auparavant, qui est mauvaise. Oui. Oui, ça. Et même on le voit en fait chez chez les Grecs anciens, en fait, le dieu de la médecine est associé au serpent parce que on se faisait mordre par des serpents parce que les délires induits par le venin du serpent donnaient un rêve éveillé qui donnait en fait qui donnait à la personne en fait des indices sur la façon de se soigner en fait, sur la façon de se soigner de sa maladie. Après, c'est intéressant aussi par rapport aux religions païennes, c'est le fait que souvent les dieux sont des hybrides entre des humains et des animaux. C'est la religion égyptienne, oui. La religion égyptienne. Alors il y a la religion grecque qui est différente parce que là les dieux sont souvent sous des formes humaines, même s'il y a quelques animaux. Mais souvent, c'est des hybrides. Il y a moitié homme, moitié animal.
Et puis, les dieux grecs sont souvent associés à des animaux aussi, en fait, c'est toujours des animaux un peu emblématiques. Ils se transforment aussi, parfois. Alors, ils se transforment aussi, l'apparence privilégiée, c'est le taureau et le serpent aussi, le cheval aussi, puisque c'est des animaux qui sont considérés comme plutôt positifs dans la culture grecque, notamment le taureau et le cheval, quoi, qui sont les animaux les plus humanisés, en fait, finalement, parce que le cheval est traditionnellement associé à l'homme, à l'humain. Parce que ça représente en fait l'animal domestique par excellence, comme le chien. Encore qu'il n'y a pas de dieu chien en Grèce. Si, le dieu chacal. Anubis, c'est oui. Égypte. Effectivement. Il y a un dieu chien en fait, c'est Apollon, le dieu chien en fait, le dieu loup en fait finalement. D'accord, oui, Apollon. Au départ, attention, le chien c'est un loup au départ. Oui. L'animal d'Apollon, c'est le loup, en fait, d'où le Lycée, en fait, qui est le bois des loups, et donc le bois d'Apollon, puisque c'est associé aux arts et tout. Donc, Et ça veut dire que les enfants et les lycéens sont des petits sauvages. Oui, des louveteaux. Mais des louveteaux, on va le retrouver, les louveteaux, chez les scouts aussi. On en parlait au début, c'est ça. Oui, parce qu'il y a cette idée qu'ils sont prêts. Qui sont à domestiquer et qui a un petit côté sauvage aussi chez eux à maîtriser en fait. Oui, en fait, c'est nouveau l'opposition entre la nature et la culture en fait, l'opposition entre la nature et l'homme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ces affrontements, vous voyez les films où les animaux se révoltent contre les hommes, les oiseaux et dans la mer, il y a aussi des films où ces confrontations vont être mises en place, mais pour accuser l'homme, pour mettre l'homme en accusation. Il y a le film Orca, qui est en fait qui se démarque un peu dans la mer. Et au départ, dans le film Orca, c'était un pêcheur qui pêchait un orque et qui tuait justement l'enfant de cet orque. Du coup, le père se vengeait. Et effectivement, c'est intéressant parce que l'homme est mis en accusation. Il y a aussi un film plus récent qui s'appelle La Traque, un film d'Antoine Dossier avec François Levental. En fait, au départ, c'est dans une ferme. Et sa famille qui découvre un matin contre ses clôtures des corps de cerf avec des marques de dents de sanglier et qui décide d'aller traquer le sanglier dans les bois. Et il s'aperçoit que les bois sont en train de dépérir à cause de produits chimiques. Et ces produits chimiques viennent des expériences de son frère qui travaille des produits pour améliorer vraiment la ferme. En fait, les sangliers qui sont responsables de la fuite de la mort des cerfs ont absorbé ces produits et du coup ils sont devenus totalement fous. Tout le film. Et effectivement, la confrontation entre ces chasseurs et les sangliers devenus fous, pour mettre en accusation l'homme et ses expériences, justement, par rapport à la chimie. Oui, un peu. On parlait de Princesse Mononoke tout à l'heure, mais c'est la même image. C'est l'homme pervertit la nature, en fait, et la nature se retourne contre lui, en fait. Je pense à un livre, mais effectivement, qui est une longue chasse. Mais le titre m'échappe. C'est une chasse qui est tout du long. C'est un homme qui chasse un animal tout du long. Et je veux dire, c'est on peut penser à Moby Dick. Je pensais que c'est possible. C'est un peu le même. Ça peut faire penser à Moby Dick. Effectivement, chasser l'animal, d'une certaine manière, c'est retrouver sa propre vie. Ça prend aussi un aspect d'une dimension de la métaphorique. Alors, j'ai pas lu le film, je n'ai jamais lu le livre. Par contre, j'ai vu une adaptation en film, je crois que c'était de John Huston. En fait, la baleine blanche, était au bout du compte associée à Dieu. Voilà, il y avait toute une dimension si métaphorique, mystique, de lutte contre Dieu. Même dans le livre. Et en fait, c'est le cas aussi, le film Au cœur de l'océan. Parce qu'en fait, au départ il y a un fait historique réel, au départ de Moby Dick, qui est adapté dans le film Au cœur de l'océan de Ron Howard, un film beaucoup plus récent. Et pareil, où c'est une espèce d'animal mutant, d'animal géant, qui est assimilé à une divinité. Et d'ailleurs, je pense aussi dans ces confrontations entre l'homme et l'animal, aussi des confrontations entre des animaux un peu mutants. Les dents de la mer, déjà, le requin, c'est un requin de 8 mètres, ce qui est très rare dans la nature, qui montre une force, une agressivité peu commune. Et je pense aussi au film Razorback, je crois que c'est russe et Bukhaï, où là c'est un sanglier géant, donc tout un temps.
Et donc là, effectivement, c'est le tour de la configuration de la nature, c'est l'animal mutant qui va être opposé à l'homme. Mais souvent, la mutation est prévue par une expérience humaine qui a mal dégénéré, non? Ou je... Alors, ça peut arriver, mais en tout cas, dans Razorback, c'est pas ça du tout. Dans Razorback, il découvre les crimes, et en traquant le sanglier, il s'aperçoit que ce sanglier est géant. Et en fait, l'homme n'a aucune part dans la naissance de ce sanglier. D'accord. C'est un peu une nouvelle de la nature, une... Oui, ou des choses retrouvées dans la nature, un peu comme King Kong, ou des créatures comme ça, qui en explorant la nature, en explorant massivement la nature, en fait, on arrive à retrouver des créatures qui étaient enfouies quelque part et qui finalement se révèlent et punissent l'humain de sa chasse, comment ? De sa quête un peu incessante d'une exploration toujours plus. Oui. C'est en fait dans King Kong, ça, au départ, ça peut être aussi du monde perdu. Et après, il y a le moment où ils arrachent King Kong à son monde, ils veulent exploiter. C'est évidemment que King Kong se révolte et ça finit mal. Mais il y a encore cette dualité, nature, l'homme, la nature qui veut se venger de l'homme et de ce qu'il a fait, en fait. Mais on retrouve encore on retrouve encore l'animal comme le représentant de la nature qui punit en fait l'homme. En fait. Donc là, il n'y a pas nécessairement une punition de l'homme. En fait, c'est un animal qui est plutôt arraché à son milieu naturel. Mm-hmm. Au départ, bon, il demande l'expression « essayer de sauver la jeune femme qui a été offerte au King Kong mm-hmm. ». Après, une fois qu'il l'arrache, il s'emporte King Kong, il l'arrache son naturel, il l'emporte dans la civilisation pour l'exploiter. Et c'est là qu'il y a une révolte de King Kong jusqu'à sa mort par des gens de chasse. Et finalement, c'est plutôt le thème de l'exploitation de la nature, je pense. Ouais, l'exploitation, ouais. D'une certaine façon, on pourrait dire que toutes ces histoires, finalement, j'ai l'impression à un point commun, elles sont toutes, j'allais dire, des fables morales. Soit qu'elles représentent les défauts de l'humain, soit qu'elles représentent la destruction de la nature par l'humanité et qui pourrait être sauvée par des animaux. Finalement, je pense que c'est une littérature, je mets ça entre guillemets, très moralisatrice. Je pense, oui. Et puis, il y a même une idéalisation. Quand on parle du totem, par exemple, ou de la personne qui s'incarne dans un ours ou qui s'incarne dans un loup, il y a cette idée de retrouver, en fait, une sorte de, comme tu disais, de paradis perdu ou de monde supérieur duquel on a été coupé, alors qui est une nature peut-être un peu idyllique ou fantasmée, en fait. Comme on fantasme toujours le avant. Avant, c'était mieux. Enfin, oui, c'est vraiment pour établir un lien mystique et trouver un équilibre, justement, entre la nature qu'il y a dans les religions païennes, dans les religions primitives. Et qui, justement, a été perdu avec l'arrivée du christianisme, avec les grandes cités. C'est ça qui a été comme un bulldozer, surtout. Mais je vois pas, en fait, je vois pas d'exemple dans les littératures, dans le cinéma, où l'homme est présenté en coexistence, en fait, avec une espèce, une coexistence plus ou moins pacifique ou quoi. Mais il y a toujours cette idée d'affrontement ou de vouloir retrouver quelque chose qu'on a perdu. Mais il n'y a pas l'idée que, l'humain et notre espèce animale pourraient coexister chacun à leur façon. Alors en fait, je parlais tout à l'heure de la BD de Bois des Vierges. En fait, au début de la BD, ils ont fini une guerre. Ils s'apprêtent à faire un mariage entre un loup et une humaine. L'humaine ne veut pas et ne fait assassiner le loup, ce qui égorge en fait une nouvelle guerre. Donc là, effectivement, on fait une métaphore entre les relations qui comprennent les différentes civilisations humaines, des périodes aussi bien de paix comme de guerre. Une tentative de paix qui est inventée. Donc là, il y a peut-être aussi, enfin, j'ai pas lu la BD jusqu'au bout, donc je sais pas comment ça se termine. Il y a peut-être aussi la possibilité, justement, d'une coexistence entre ces espèces après la guerre, même si c'est difficile, même si le mariage qu'il prévoit pour conclure la paix est rejeté et annulé par la mort de l'époux. Donc, il y a à la fois les deux. Il y a la guerre née de l'incompréhension et du racisme, et il y a les efforts de compréhension et de paix qui peuvent aussi naître. Là, dans cette BD, en fait, il y aura un peu deux manières métaphoriques, il y aurait les deux. Oui.
Oui, une coexistence, en fait, un animal qui est présenté comme un égal ou qui est présenté comme le même point que l'homme. Ni comme son supérieur, en fait, ni comme son inférieur, en fait. Il y a aussi un peu de ça, on parlait de la planète des singes. Dans le premier cycle de films, il y a le film Fourin et Schaffner, puis ça, il y a cinq films. Et à la fin du cinquième film, il y a au bout du compte une coexistence harmonieuse entre l'homme et le singe. Donc on ne sait pas si ça va durer. Puis en fait, le dernier plan du film, c'est César qui verse des larmes de sang. Et en fait, il y a bien, au moins à la fin du cinquième film, une coexistence pacifique entre le singe intelligent et l'homme. Nous arrivons un petit peu presque au bout. Il n'y a pas eu de questions ? Personne ? Non, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de retour sur les questions. En fait. Au moins, nous sommes intéressés entre nous. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est une littérature intéressante. Je pense que c'est un sujet. En fait, c'est un peu dommage, mais je pense que l'animal ou l'animalité, c'est quand même un sujet qui est sous-traité ou sous-représenté en fait dans la littérature. Et c'est dommage parce que souvent la littérature de science-fiction est une littérature qui est assez prospective, qui essaie de réfléchir à des enjeux. Et c'est un peu dommage qu'en fait on se pose pas la question justement de cette animalité. En fait, c'est parce que c'est un débat qu'on a un peu dans la société contemporaine sur le spécisme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit considérer l'homme comme supérieur aux autres espèces ou est-ce qu'on doit le considérer comme son égal. Et je trouve que ce sont des réflexions dont on ne trouve pas souvent en fait l'écho en littérature, en fait, où on l'a vu, l'animal peut être soit fantasmé comme une espèce de retour en Éden, soit représenté comme une adversité parce que l'homme a été violent avec la nature ou trop avancé dans la nature. Mais je pense qu'il y a encore il y a des sujets ou des façons d'aborder la relation homme-animal un peu différentes à réinventer. On dit souvent qu'il faut d'essayer de trouver des sujets nouveaux ou des versions nouvelles. Et là, je trouve que le rapport humain-animal, il y a pas mal de pistes à explorer, en fait, de choses à faire. En fait, qui me semble a surtout été fait par le fantastique ou l'épouvante, puisque souvent c'est des confrontations ou par rapport au garou, la part animale qui ressurgissait. Mais c'est vrai que la science-fiction, par rapport justement à tout le problème de la pollution, pourrait s'y intéresser. Bon, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur la pollution. Il y a Le Soleil Vert. Oui, oui. Silent Running, où c'est les dernières forêts qui étaient menacées de. Effectivement, sur le rapport de l'homme à l'animal, pour l'instant, il me semble que c'est surtout le fantastique qui s'y intéresse. Même si la science-fiction pourrait y trouver matière à. Ah oui, parce que je pense qu'il y a des sujets possibles. Malgré tout, je pensais au félin géant de Rofni Aimé. Oui, ça, c'est pour la préhistoire. Félin géant, c'est dans la préhistoire, mais enfin, bon, on va dire que c'est relativement actuel. C'est les débuts de la science-fiction. Et effectivement, c'est le rapport d'un homme qui est sauvé par le félin géant. Ils sont sauvés parce qu'ils ont su l'apprivoiser. Et le félin géant distingue bien entre eux qui sont devenus ses amis, tout au moins pas vraiment des amis, mais des proches, et les tribus ennemies et leurs ennemis à eux. Ou alors dans les bords du fleuve bleu, c'est la même chose avec les mammouths. On peut voir aussi peut-être le début d'une certaine domestication, ou du moins d'un rapport d'un pacifique avec l'animal, d'un lien qui est créé. Voilà. Pas totalement une domestication, parce qu'il y a des animaux qui restent sauvages, mais au moins effectivement d'un lien qui est créé. Voilà, un lien. Un lien qui est créé. Et d'ailleurs, effectivement, que ce soit chez les peuples amérindiens, quand ils chassaient des bisons pour se nourrir, ils se procuraient malgré tout de manière mystique des animaux tués, de l'âme des animaux tués. Il y avait malgré tout un lien mystique qui était fait pour apaiser l'âme tuée. Enfin, je ne sais pas exactement, je ne connais pas dans le détail, mais il me semble effectivement, notamment par des BD de dérive où j'ai vu cet aspect, que malgré tout, il y avait un respect, une précaution pour l'âme de l'animal tué. Tout à fait. Ah oui, en fait, même chez les Grecs anciens, quand on chasse les animaux, on fait une prière aux dieux, en fait, parce qu'il y a une demande, enfin, on le trouve dans beaucoup d'utilisations, c'est-à-dire que le besoin de consommer cette viande, en échange, c'est des prières aux dieux, des prières à l'âme de l'animal, et oui, quoi que ce soit, il y a un respect
des animaux. On parlait de livres dont les, justement, dont les protagonistes pourraient être des animaux, parce que je vois pas en dehors de dans la littérature blanche, donc de l'appel de la forêt, où le personnage principal est finalement un chien-loup, en fait, qui a encore un peu, qui part de la civilisation, qui est un peu engourdi, domestiqué, qui a un gros chien un peu pato, et qui, parce qu'il est confronté à la nature, va retourner, en fait, à son idéal de nature et redevenir un animal, même un loup, mais même meilleur que les autres loups, parce que justement, ayant connu l'homme, il peut se permettre d'être plus agressif et plus violent avec eux, parce qu'il connaît en fait leur férocité, il connaît leur dangerosité en fait. Et là en fait il y a aussi justement l'inverse, parce que moi un des romans que je préférais, que j'ai énormément lu dans ma jeunesse, c'est Cro Blanc, toujours de Jack London. Et en fait là, c'est le principe inverse, au départ c'est un loup qui peu à peu, après beaucoup de péripéties, va être domestiqué par l'homme. Oui, tout à fait. Jack London était... Effectivement, c'est intéressant parce que ce sont deux en fait romans où l'animal est protagoniste principal. Voilà. J'ai mal, c'est assez rare en fait. C'est très rare en fait de voir. Je pense qu'il y a plein d'auteurs qui sont venus. Ouais, d'auteurs et d'autrices de science-fiction. Il va falloir quand même leur dire qu'ils fassent. Bon après, il faut faire un effort. Il y a peut-être beaucoup de nouvelles qu'on ignore et beaucoup de romans qu'on ignore, mais je serais intéressé de voir ce que donne un roman de science-fiction ou de fantasy dont le personnage principal est, on dit bien le personnage principal, hein, est un animal en fait. Il y a des bandes dessinées actuelles qui se font où les personnages... Non, je parlais de romans en fait ou de. Sachant que la fantaisie actuelle, je ne connais pas trop. Hein. Je n'ai jamais mis la cune. En plus, je lis très lentement. La fiction en fait. Hein. Je lis très lentement parce que. Ouais. Je vis en dehors de mon travail, je vis très lentement, donc j'ai un retard. Même la science-fiction, en fait, je pense qu'il y a des choses à faire en science-fiction avec les animaux et en fait avec l'animalité. C'est vrai qu'effectivement, comme c'était beaucoup fait par le fantasy, c'est toujours fait par le fantasy de manière totalement légitime, effectivement, la science-fiction pourrait aussi s'y intéresser de manière. Tout à fait. Je pense qu'elle s'y intéressait aussi. Demain les chiens, c'est. Ah oui, effectivement, demain les chiens. Je ne connais pas. En fait, c'est un peu, oui, l'imagine, c'est un peu ça comme la peau. C'est manqué à tous ses devoirs. C'est en fait l'homme qui a dégradé, sauf erreur, il s'est mis en hibernation, et du coup les chiens ont pris le pouvoir, ont fait une société, et Demain les chiens, c'est une série de nouvelles compilées par un chien. Comme la planète des singes finalement en fait. C'est ça, et qui raconte un peu comment les hommes se sont endormis dans leur caisson cryogénique, et comment les chiens ont pris le pouvoir. C'est Curval, je crois. Non. Et le personnage principal, c'est un chien, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un recueil qui est censé avoir été une histoire compilée par un chien. Mm-hmm. Les histoires successives racontent comment, justement, les chiens ont pris le pouvoir, tandis que l'homme se retirait du monde. Et, Je vois que nous avons encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire, nous aussi. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas à lire, à écrire. Les horizons, c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant, c'est toujours un renouvellement, il y a toujours des choses à dire. Donc c'est ça qui est intéressant, oui. Je n'ai jamais épuisé. Jamais, enfin. Et de toute manière, s'il était épuisé, il nous appartiendrait de le renouveler, de le revivifier. Et le défricher, oui. C'est ça. Ça nous donne beaucoup de pain sur la planche, et à ceux qui nous écoutent, beaucoup aussi, je pense aussi, de pain sur la planche pour eux aussi, et des idées. Mais effectivement, comme je disais pour la précédente, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, donc beaucoup de choses à écrire encore, donc il faudrait vraiment beaucoup de curiosité et beaucoup d'inventivité pour de nouvelles histoires. Tout à fait. Et bien maintenant, je crois qu'on va se retirer. Oui. Et on va... Moi, je remercie en tout cas vous deux en premier. Merci beaucoup. Ben, merci à vous aussi. Hein. Et je remercie aussi tous ceux qui ont pu nous écouter. Et je remercie aussi notre équipe technique. Oui, ouais, nous clôturons. La dernière. Nous sommes les derniers des derniers. S'il n'en reste qu'un, ça sera nous. C'est aussi en technique qu'on ne voit pas. Et qui, oui, tout à fait. Qui ont quand même travaillé pendant 3 jours pour assurer. 3 jours et 3 nuits pour nous assurer ça. Merci. Ben, merci à eux aussi. Merci. Et ben, en tout cas, merci, en espérant de retrouver tout le monde dans un festival réel cette fois-ci, l'année prochaine. Ah bon, on y connaît bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.
Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.